l'entreprise a fait le choix en 2014 d'investir 500 millions d'euros pour l'ensemble de ses cabines afin de renouveler les cabines économie, premium économie, business et la première. Donc c'est un investissement fort afin de couvrir les investissements sur 44 avions, donc c'est à peu près 40% de la flotte long courrier d'Air France, et principalement sur notre flotte 777-200 et 300, là où on avait vraiment un fort besoin d'investissement. Donc quelle a été la stratégie? C'était à la fois de renouveler le fauteuil, et on va rentrer dans le détail de chacune des cabines, mais aussi le système de divertissement, donc c'est des chantiers importants. C'était de revoir aussi toute cette interface, à la fois son contenu, le système qui l'équipe, donc c'est un système Panasonic, et aussi toute l'offre avec plus de langues, plus de contenu, et on y viendra ensuite. Donc c'était vraiment une volonté de monter en gamme et de se mettre au meilleur niveau par rapport à la concurrence.